Bonjour à toutes et à tous, je vous propose un tutoriel pour que nous apprenions ensemble à créer un pad. L'intérêt du pad, c'est de créer un cahier virtuel permettant ainsi de proposer des feedbacks réguliers sur les différentes activités de nos élèves. L'intérêt également de créer un pad, c'est de permettre à nos élèves d'être en situation d'écriture collaborative. Comment créer un pad pour chacun de mes élèves? Donc, vous allez aller sur l'adresse indiquée ici, pad.mlfmonde.org. Vous allez noter le nom du pad. Par exemple, pad élève Ali. Si le pad n'existe pas, on arrivera sur un nouveau pad. OK. Donc le pad n'existe pas. Donc ceci, vous l'effacez et vous avez ainsi créé un pad pour votre élève Ali. Cette démarche sera à renouveler pour chacun de vos élèves. Je vous invite sur chacun des pads à noter la consigne et bien évidemment à noter les différentes étapes afin de guider l'élève dans une démarche d'apprentissage. Lorsque nous avons entre 25 et 30 élèves, il peut être vite coûteux d'ouvrir les 25 pads. Je vous donne une astuce. Ici, au préalable, j'ai ouvert plusieurs pads. On va créer un dossier dans les favoris. Pour ce faire, je vais venir cliquer ici sur la petite étoile. Donc là, je vois que j'ai un pad tweeté qui s'appelle Tweeté Pad MLF Monde. Je vais l'enregistrer dans un dossier, ici, que je vais créer, nouveau dossier, et je vais l'appeler Pad Classe. Enregistrer. De la même façon, pour chacun des pads, je vais venir ici cliquer sur l'étoile. Je vois que ce nouveau pad va être enregistré dans le dossier que je viens de créer. Et je fais de la même façon pour chacun de mes pads. Ici, pad classe, OK. Et ici, hop, pad classe, impeccable. Maintenant, je ferme ma fenêtre et je vais vous montrer comment ouvrir tous les pads en même temps. Je vais ici, autre favori, je vais chercher mon dossier et je vais faire un clic droit sur le dossier pas de classe. Vous voyez ici que tous les pads de ma classe sont rangés au même endroit. Je fais un clic droit. Il s'affiche ici plusieurs options. Tout ouvrir. Si j'ouvre tout, donc tout apparaîtra sur cette même fenêtre. Tout ouvrir dans une nouvelle fenêtre. C'est ce qui m'intéresse ici. Je clique ici et je vois que dans une autre fenêtre, tous mes pads s'ouvrent en même temps. Voilà. Je vous remercie et vous dis à très vite.